arrivé à la Guadeloupe que j'ai connu le Goka. J'ai connu le Goka parce que les travailleurs qui habitaient entre 50 et 150 mètres de chez moi, parce qu'ils avaient touché leur paye, là, ils jouaient le tam-tam. Parce que le Goka, c'est le tam-tam. C'était pour moi étrange et ça m'effrayait. Et puis brusquement, je n'ai plus entendu le tam-tam. Pourquoi? Je ne sais pas. Les usines ferment, malgré les luttes des travailleurs. On se bat pour essayer de sortir de ce qui apparaît une issue fatale, leur disparition. Fermer ses portes, les travailleurs sont partis, une partie en métropole, une partie enfin. Il n'y a pas enfin une vie comme autrefois, il n'y a pas de travail. Il y a quelques mois qu'on coupe la canne durant quelques mois et puis après c'est fini. Les gens sont obligés d'aller ailleurs chercher quelque chose. Au début, quand l'usine marchait, il y avait, enfin c'était la bonne vie, on peut dire, il y avait des travailleurs, il y avait des petites maisons. Les travailleurs habitaient les petites maisons. On vivait quoi. On passait la canne ici à l'usine même. Il y avait la distillerie, il y avait, on faisait du sucre, du rhum et tout ça. A été un refuge pour le nègre qui, venu d'Afrique, s'est servi du Goka comme moyen d'expression pour dire tout ce qu'il ressentait, pour dire ses joies, ses peines, ses réactions, ses violences, pour dire ce qu'il voulait et qui n'était pas compris par le nègre. Et bien entendu, il fallait le langage fait de pulsation, de création, un langage qui pouvait être compris par les autres et qui n'était pas compris par le maître, un langage qui pouvait être compris par ceux qui peinaient, par ceux qui étaient fouettés et autres. Et le Goka, au départ, a été un peu interdit parce qu'on sentait que c'était précisément ça, c'était presque le langage de la révolte que ça portait à travers les mornes, à travers les campagnes et autres. Et le Goka s'est maintenu. C'est maintenu après l'abolition de l'esclavage. C'est peut-être le Goka et le coq à l'ambi qui ont sonné l'abolition de l'esclavage. Vous pouvez vous la loigner.
Jabron est demeuré avec sa case de Jean Cazé. Celle-ci, là où nous sommes, sous cet arbre à pain, cette case-là, c'était là que eux, Sonore, Solange, vivaient. C'était là, de là qu'ils partaient le matin pour aller au travail. Ils ont associé leur peine. Ils sont allés sur les champs de canne. Ils ont travaillé ensemble. Vous ne sauvez pas poisson? Oui. Mais faites manœuvre, voici la pressée. Mais vous parlez, voici la pressée. Alors, mais il faut y attendre moi, une minute quand même. Oui. Vendez 1 kg de poisson vite, là, rapidement. Canette, tu vas prendre 1 kg là. Oui. Mignon. Voilà. Et l'autre temps, on va mettre les bandes là. Voilà. L'économie d'un pays est basée sur la canne à sucre. Si elle disparaît, le rhum disparaît. Maintenant, si par impossible elle disparaissait, le gros cas demeurerait. Parce que le gros cas, c'est l'expression culturelle de la noire antillaise. Le gros cas, c'était la musique des vieux nègres. Ils ont gardé ce qu'ils portaient à eux de culture africaine, de culture ancestrale. Et ils se sont réfugiés dans le gros cas. C'est ça, le gros cas à l'origine. C'est ça, la mission du gros cas. C'est devenu une revendication culturelle.
restés, et ce sont encore des paysans sans terre. Les gens de Jabouin sont des travailleurs agricoles qui ne sont employés que 6 mois sur 12 et les 6 autres mois, ils sont obligés de faire ce qu'ils peuvent. Donc, le salaire qu'ils ont, qui est déjà très faible, pour 6 mois, doit être utilisé pour les besoins d'une année. Nous avons besoin de travailler à l'agricole, qui nous va trouver une journée de travail pour nous faire. Ah bon? Il faut nous venir sur les champs, nous venir, nous demander, nous rester, parce que la journée qui a mené la bataille là, oui. Et qui nous va trouver. Ah bon? Nous va trouver une journée de travail. Oui. Ouais. Tous les matins, nous venir demander, travail tous les matins, Eh bien, ces dames, on a pleuré pour son sort, on vient. Le matin, il n'y a pas de travail, on doit retourner chez eux, sans travail. Mm-hmm. Ça, c'est grand guimauve. Alors, par exemple, ça, c'est du poids du bois. Ça, c'est consoude. Bon, ça, c'est du piment, ça sort d'ici là. C'est ça, nous avons comme épices. Si vous êtes en roué, on peut faire un thé avec ça. C'est du consoude, ça. Bon. Boka, c'est le souffle de vie, les Guadeloupéens. Quand le Guadeloupéen travaille la terre, il y a une seule solution, il y a un seul souffle de vie, c'est le Boka. Et moi, en cas pensé, Boka, pour moi, c'est maman, moi. C'est papa, moi. C'est souffle de vie, en moi. C'est bray manger, moi. Et c'est tout. Parce que maman moi, son grand travailleur la terre. Et maintenant, maman ne peut pas faire une journée. Moi-même, ne peux pas suffisant, moi faire une journée. Bah. Et c'est souffle à Goukala qui a fait une journée, en souffle de vie, d'une manière où je peux faire un boule de pain pour maman qui travaille. En travaillant là, comment Soso, comme madame, comment Cécile, comme Guy Conquête, pour nous tous. Et à force en travaillant là, on trouve les moyens pour attraper chagrin. Hein? Les blancs, ils mettent gendarmes, ils mettent bâtons hein? Pour ne pas t'arriver. C'est la seule solution à TP. Après tout ça, c'est pas un gros cas en partage. Mais c'est également une communauté qui est animée, qui a son âme, cette âme, ses bons sociaux. Elle a libéré le tom-tom par une création. Et vous savez quelle création? Elle a créé Guy Conquête.
et qui a senti tout cela. Et il a contribué à faire sortir le gros cas de son refuge, de cette zone de Jabrun, et à le porter sur la scène du monde. Pour les temps des choses. Non, mais il faut toujours nous soutenir, le Goka. Ah ouais, il faut soutenir. C'est une forme de lutte. De lutte. Et des souffrances aussi. On a des souffrances aussi. On a le rythme comme le Lyrose. Le rythme noble que tu viens de danser. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Et le rythme noble, mais chanter cette misère. Chanter ses misères aussi. Et il y a... Parce qu'on vient de jouer deux rythmes. Jouer deux rythmes. Alors, on vient de jouer deux rythmes. Toum Black et Lyrose. Toum Black et Lyrose, hein? Alors, ce que signifie pour moi, Lyrose, grâce, sentiment paternel, ambiance de cœur, ambiance d'amour. Oui, d'amour, hein? Et ce que signifie le Toumbla, qui est une montée, une pulsation, qui est encore les reins, les hanches, tout ça, et dans ses façons sexuellement parlant. C'est l'onanisme. Bocala Guadalupea. Yeah.